Combien de temps vas-tu mettre seulement pour nettoyer ces chaises? J'ai encore des heures. Tu as besoin de cours de temps pour nettoyer ces chaises? Hein? Paul, pourquoi perds-tu autant de temps ici? Hé, mademoiselle, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Ne t'approche plus de moi, sinon tu vas pas aimer ce que je vais te faire. Tu es vraiment très stupide. Qui t'a donné l'autorisation de me parler ainsi? Oh, je vois. Depuis que tu ne veux plus que j'aie la paix dans cette maison. Quoi? Allez, vas-y, nettoie. Paul! Paul! Mais tu vas pas la... Hein? Hein? Qu'est-ce? On t'a pas de ma culotte. Attends, compte pas. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois la prochaine fois. Je vais te démolir. Idiote. Donne-moi une bonne raison pour ne pas bousiller ton visage. Maintenant, écoute-moi. C'est la toute dernière fois que tu me parles comme ça dans cette maison. Tu entends? Si tu oses encore, si tu essayes encore, je vais démolir ce visage, je vais rendre ça en bouillie. Idiote. Stupide garçon! Doucement, une seconde. Hein? Oh, mon pépé! Arrête ça! Oh, arrête de me chatouiller! Allez! Vas-y, dis-moi. J'espère que ce que je porte ne sent pas le kinké. Kiki, ça c'est le gros français. Allez, tu vois, j'ai quelque chose de spécial pour toi, une surprise. Une autre surprise, après cette belle nuit passée ensemble. Alors, la chambre. Ah non, non. Tout ce qui concerne la chambre, pas à ta remettre. Non. Regarde. C'est spécial. Je suis sérieux. Allons. Viens, bébé. L'homme quittera son père, sa mère, toute sa famille et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un même sang, un même visage. Depuis quand parles-tu comme un pasteur? On le fait de temps en temps. Si tu veux dire non, dis-le en enlevant ça. Pourquoi ne demandes-tu pas ma main comme les autres hommes le font? Dois-je toujours être spécial? Parce que je suis spécial. Veux-tu que je demande? Aimerais-tu m'épouser ou vas-tu m'épouser? Tu peux juste le dire. Ok alors, vas-tu m'épouser? Tu sais quoi? J'aimerais passer toute ma vie avec toi. Je n'ai jamais vu une fille aussi charmante que toi. Tu vas t'épouser. Vraiment? Oui. Merci. De rien. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que c'est? Les vitamines. C'est pour quoi? C'est pour avoir la force et être efficace. Dégage. Ok. Donne-moi, je te fais boire. Tiens.
Ok. Laisse-moi voir ta magie. Ok. Laisse-moi voir ta magie. Mm. Oh, ça bouge? Oui. Je peux boire maintenant? C'est bon. Ça te plaît. Mmh. Mmh. Ok. Viens. Mmh. Je t'assure que quand je suis seul, je ne sais pas si c'est Dubaï ou alors quelque part à Accra, juste y aller pour 2 semaines. On mm-hmm. reste là-bas, on s'amuse et... Grand frère, il faudrait qu'on parle. Paul, tu peux voir que je suis occupé, vraiment occupé avec ma femme. Hmm? Oui, je sais. Mais je t'en prie, je veux te voir. Ça ne peut pas attendre. Ok, ok, ok. Attends-moi dans notre salon. Je te retrouve là-bas. Grand frère, je t'en prie, maintenant. Ok. Femme attendre. Ok. Vas-y. Grand frère, cette fille qui est là depuis des jours maintenant, je veux savoir, est-elle venue pour rester? Cette fille, tu parles de Tochi? Oui, bien sûr. Paul, je te l'ai dit, c'est la fille que je vais épouser. Tu feras mieux d'arrêter tes querelles avec elle. Parce que très bientôt, elle fera partie de cette famille. Grand frère, tu as dit ces mêmes mots concernant deux filles et après quelques jours, rien ne s'est passé. Arrête ça! Es-tu venu me souhaiter la malchance ou alors es-tu un ennemi du progrès? Dis-moi. Mon frère, je ne suis pas en train de te souhaiter une malchance. Encore moins être un ennemi du progrès. Ce que j'essaie de dire, c'est la manière qu'elle contrôle tout et met le dans toute cette maison, j'aime pas. Je sais qu'elle ne m'aime pas bien. Et je ne la suis plus non plus de m'aimer. Mais, je sais pas. Lui un mot. Lève-toi et sors d'ici. J'ai dit lève-toi et sors d'ici. Ne me dis pas quoi faire dans ma propre maison. J'espère que ceci sera l'arrêt du dernier bus. Paul? Que viens-tu de dire? Je constate que tu pousses déjà les ailes. Hein? Écoute, tu peux t'envoler. Envole-toi et pose-toi là où tu veux. Mais je t'avertis, ne te mêle plus jamais de ma relation. C'est une mise en garde. Maintenant, dégage. Dégage! Ne viens pas me dire ce que je dois faire dans ma propre maison. Vas-y, bois, bébé. Oh, grand frère, bon après-midi. Oh, ça commence. Oh, super. Comment était l'école? Tout va bien, t'inquiète. Bonne arrivée. Merci. Et toi? Très bien, comme tu peux le voir. Grand frère, je monte dans ma chambre. Ok.
bon garçon. Écoute, Aimé, si jamais tu m'épouses, je mettrai ce garçon hors de cette maison. Pas ce garçon. Il s'agit de mon frère, là. Et puis quoi? C'est ça qui lui donne le droit de m'insulter tout le temps dans cette maison? Tochi, tout ce que tu dois faire, c'est de prendre les choses calmement avec Paul. Paul n'est pas naturellement têtu. Tout ce que tu dois faire, c'est de le comprendre, et c'est tout. Comprends son insolence, n'est-ce pas? Je t'ai dit, je ne sais pas si c'est ton frère qui commande. Soit c'est lui qui part, soit c'est moi qui pars. Je t'ai donné ma position dans cette maison. Une seconde. En ce cas-là... Je t'ai dit, oh, je ne peux plus le supporter dans cette maison. Soit il part, soit je pars. Paul! Paul! Où est parti ce garçon? Paul! En quoi puis-je te dire? Paul, passe-moi de l'eau. Laquelle? Celle qui est posée là. Tiens. Mets-moi de l'eau ici. C'est bon là. Mets encore. C'est bon? Non, mais juste encore un peu. Hé, femme, femme, s'il te plaît. Je t'en prie, j'ai pas le temps de jouer à ça. Ne me provoque pas, je t'en prie. D'accord? Écoute. Prends ta carafe! C'est moi qui dois t'aider à faire ta cuisine. C'est quoi ces conneries? Paul, c'est à moi que tu fais ça? Pardon, tiens-toi là, tu me mets demain ici. Qu'est-ce qui vient sortir de ta bouche? Que je me tienne là et je te mette de l'eau. Écoute, je vois que tu as déjà les pertes de mémoire. Paul! Paul! Hé, femme! Je me contrôle assez dans cette maison. Je t'en prie. Et puis tu te plaiseras une fois, je plie sur mon frère. Et pourquoi non? Paul, tiens-toi là. Paul! Paul, reviens ici et sois utile pour une fois dans ta vie. Hey! C'est parce que je suis venu m'installer dans cette maison. Je n'arrive pas à comprendre que tu me mettes hors de cette maison. Juste parce que tu voyages. Écoute, Tochi. Je ne peux pas te laisser avec Paul alors que je pars au village. Je ne peux pas prendre ce risque. Laisse-nous, je ne vais pas le provoquer. Non, je ne veux rien de pareil. Rentre chez toi, quand je serai de retour, je t'appellerai. S'il te plaît, chérie, viens, nous sommes en retard. Viens. Ah, Paul. Grand frère, oui. Tu t'en vas maintenant? Déjà, oui. Ah, oh, ok. Salue-moi, papa, hein. Et dis à maman que je viendrai lui rendre visite d'ici peu. Paul, ne pouvais-tu pas rédiger quelque chose sur le papier que de parler en l'air comme ça? Bien, mets-moi ça dans la malle arrière. Chérie. Ça va aller, hein? Prends soin de toi. D'accord. Ok. Oh, Ogona, Jessie. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Écoute, tu vois, je t'avais dit de venir ici, Constance. Mon frère ne peut rien faire. Et puis, tu es celle que la famille a approuvée pour le mariage. Ne gère pas cette fille qu'on appelle Toti. Merci. Alors, où est Emeka? Il a voyagé. Et puis, on espère qu'il rentrera cet après-midi. S'il te plaît. Peux-tu m'aider? Aide-moi à lui dire que je ne porte aucune maladie vénérienne. J'ai entendu dire qu'il planifiait de me quitter à cause de cela. S'il te plaît, dis-lui que je suis en parfaite santé. En plus, je suis enceinte. Attends une minute. Tu veux dire que tu es enceinte?
Oui. Waouh! Mais c'est une bonne nouvelle! Ah, tu sais quoi? Ne parle encore à personne de cette grossesse, ok? J'en ai déjà parlé avec ma mère. Ta mère? J'ai cru que tu étais une orpheline. Oh oui, ma mère adoptive. Je vis avec elle et elle est très gentille. Elle m'appelle sa fille et je l'appelle ma mère. De toutes les façons, tu dois juste garder ce bébé, ok? Pendant que je rends les choses dures pour cette vaurienne. Mais j'ai entendu qu'il planifie de se marier. Mariage, mes fils. Toi, t'en fais pas, d'accord? Calme-toi, je veux moi-même la gérer. Ok, laisse-moi juste aller chercher de l'eau. Attends, ne va pas là-bas. Je ne veux pas que tu ailles là-bas, ok? Vous pourriez vous bagarrer. Cette idiote-là, elle dort. Laisse-moi le faire moi-même, j'arrive. Ok, ne t'inquiète pas. Peut-être je ferais mieux de partir. Je vais bien. Tu peux me raccompagner si tu veux. T'es sûre? Oui, je suis sûre. D'accord. C'est pour quoi faire? Paul, le jour où j'étais disciplinaire dans cette maison, arrête. Hé! Arrête! J'ai dit arrête ça! Le fait que tu as vécu à Wari ne signifie rien pour moi. Ça ne fait pas de toi une guerrière. Toi, du coup, va et demande. Va et demande qui est Polo. J'ai pas peur des femmes au riz. Paul, le fait que j'ai vécu à Wari ne fait pas de moi une fille de Wari. Ça ne fait pas de moi une fille de Wari. Laisse-moi te le dire. Ah. N'importe quoi. Ah. D'accord. Ah, Paul, dépêche-toi, je suis en retard. J'ai presque fini. Voilà que ça me revient. Tu avais quelque chose à me dire, hein? Oui, grand frère. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Toti. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Elle me cause beaucoup de problèmes dans cette maison. Grand frère, c'est toi que je respecte. Je t'en prie, parle-lui. Qu'elle me laisse en paix. Paul, tu sais que Toti est une femme. Et je crois qu'elle pense que tu bloques sa liberté dans cette maison alors que c'est pas le cas. Liberté? Oui. Quelle liberté? C'est elle, au contraire, qui abuse de la liberté que je lui accorde. Mon frère, il fallait voir ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. Ça va, je suis désolé pour tout cela. Je lui parlerai moi-même. Ça va? Et ce qui m'énerve, c'est la manière dont elle me donne les ordres dans cette maison. Je regarde à gauche, les problèmes. Je regarde à droite, Toti. Je regarde partout. Paul, ça va? Écoute-moi, tu es un homme et tu devrais te contrôler. Je dois m'en aller maintenant. Baba, Chili? J'ai dit qui est-ce et tu dois te présenter avant d'entrer, pas vrai? J'ai compris que ton qui est-ce voulait simplement dire que Jinx. Ah, je te vois sourire. Où est passé ton ton autoritaire? Allez, Paul, ne joue pas à l'ignorant. Hey. Attends une minute, c'est quoi tout ce théâtre? Puis-je te dire quelque chose? Hey, calme-toi, tu t'approches un peu trop pour me parler, ok? Paul, pourquoi me détestes-tu autant? Maintenant, je vois, tu trafiques un plan. Tu veux me clouer au lit et puis tu... tu vas essayer de m'accuser de t'avoir violé. Mon frère se met en colère, il me fout à la porte. Je sais ce que tu trafiques. Maintenant, sors de mon lit, retourne-toi. Et tu pars, sors de ma chambre. Maintenant, sors. Paul, je n'irai pas passer un moment spécial juste avec toi. Oh, je vois. Attends juste une minute, d'accord? Attends que je cherche mon téléphone et que j'appelle. Paul! Je suis Paul! Tu es vraiment méchant! Alors, tu veux le mettre au courant de ça? Oui, je suis méchant. Je suis très, très méchant. Oui, maintenant, tu mets ceci dans ta tête, d'accord? Je ne fais pas l'amour avec une chienne. Plus on commencera à vivre en paix dans cette maison, mieux il vaudra pour nous dire. Parce que moi, je n'ai peur de personne. N'importe quoi. Oui, c'est ça. Dégage. Dégage de ma chambre. Sorcière.
Emeka, je ne pense pas que tu m'aies bien compris. Je t'ai suivi. Et pourquoi ma fille Ogona se lamente-t-elle? Personne n'a provoqué cette lamentation. J'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu supporter. Et qu'as-tu découvert? J'ai découvert qu'elle a une maladie mortelle qui ne me permettra pas de voir ma vieillesse. Tu mens! Un gros mensonge! Qui t'a dit ça? Madame, mes informateurs ne sont pas les gosses. Alors, cette histoire a été tissée depuis les profondeurs de l'enfer. Et je vais te dire, je ne vais pas épouser Ogona. Je ne l'épouserai pas. En tout cas, je suis venue t'informer que Ogona, ma fille, est enceinte de toi. Quoi? J'ai suivi que tu es maintenant avec une autre fille. Tu ferais mieux de lui dire qu'elle laisse vite les choses avant que la vraie bagarre ne commence. Madame, ma, cette grossesse, je suis certain qu'elle n'est pas de moi. Elle a porté ça ailleurs et tu fais tout et pour tout pour que ça tombe sur ma tête. Ça ne marchera pas. Tu t'entends? Pas du tout. N'est-ce pas? Emeka, je te donne 2 semaines. J'ai dit que je te donnais 2 semaines pour commencer à prendre soin de cette grossesse. Sinon, je te mettrai dans une situation que tu vas regretter tous les jours de ta vie. Bêtise. N'importe quoi. Tu as l'air évadé. Il n'y a aucun problème, Paul. Aucun problème? Mais c'est pas ton visage, ça. Bien, je vais te le dire. La mère de Gona est venue faire les problèmes ici. La mère de Gona? Oui. Je ne veux pas l'épouser. C'est pas à force. Est-ce que c'est pas à force? Non. Grand frère, je comprends rien, ça. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Que sa fille est enceinte et que je devrais commencer à prendre soin d'elle. Ouf. Ah. Grand frère, montres-tu une certaine responsabilité de cette grossesse? J'ai fait de mon mieux, mais elle m'a vraiment menacé. Ouh, elle est costaude. Grand frère. Par ton jugement. Cela ressemble-t-il à une réelle responsabilité? Je veux dire, montres-tu que tu es responsable de ça? Ogona! Ogona, tu peux pas continuer comme ça. Hein? Ta condition ne te le permet pas. Très souvent, je me demande pourquoi les gens choisissent d'être méchants. Tochi, contrôle Emeka avec quelque chose. Je suis très sûre de ça. Je n'ai même jamais réfléchi dans ce sens-là. Ne t'inquiète pas. Je suis égale à moi-même. Bientôt, je vais en finir avec Emeka. Jusqu'à ce qu'il demande pardon. Ça sera pire que ce que j'ai fait dans le passé. Oui. Maman, s'il te plaît.
ne fais rien de méchant. Je l'aime toujours. S'il te plaît. Oh, toi, s'il te plaît, va à l'intérieur te rafraîchir. Que sais-tu de l'amour? Va de l'intérieur. Va te rafraîchir à l'intérieur. Et arrête de te déranger, hein? Emeka. Ogona. Hein? Tu peux pas continuer comme ça. Rappelle-toi de ton état. Le soudain changement des comportements d'Emeka ne sont pas ordinaires. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être mystique. Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, écoute. Je vais trouver la source de ce problème. Oui, je le ferai. Je ne l'ai même pas trompé. Je ne lui ai même pas dit un mot déplacé. Et soudainement, il a changé avec moi. C'est mieux qu'il commence à prendre les responsabilités de ce bébé ou nous gérons ça à notre manière. Oui. Maman. Notre manière. Maman, j'ai toujours été contre l'avortement. C'est contre mes principes. Ogona, excuse-moi. Que sais-tu des principes? Dis-le-moi. Que sais-tu des principes? Nous parlons d'un truc de raisonnable, tu parles de principe. Paul, c'est comment? Ah, Ogona, comment tu vas? Rejeté, comme tu peux le voir. Je sais plus quoi dire par rapport à ce problème. À chaque fois que je pense à ça, ça me rend confus. S'il te plaît, aide-moi, dis à ton frère que je l'aime toujours et que je porte son enfant. Oui, je passerai ton message. Attends. Ogona, je veux que tu sois honnête. Est-ce vrai qu'il y a eu des tragédies dans ta famille? Ça a été un coup monté par Tochi et ses amis. Je vois. D'accord, sans problème. Je ferai asseoir mon frère et je parlerai avec lui. D'accord? Ok, merci. Tu prends soin de toi. Ok. D'accord. À plus, hein. Ça va aller. Je t'appellerai après. D'accord. Emeka, Hemi. Moi voilà, je suis là-haut. Emeka, nous te saluons. Emeka. Hey. C'est quoi le problème? Pourquoi tu nous ignores? Le plus tôt tu prendras tes responsabilités, le mieux ce sera. Emeka, tu es resté tranquille comme si ce problème ne te concernait pas. Hmm? Tu ferais mieux de monter et nous apporter un peu d'argent. Comme tu peux le voir, nous sommes en chemin pour l'hôpital pour un accouchement. Hmm. Emeka, c'est quoi le problème? Et qui sont ces gens? Je suis son épouse. Et je suis sa belle-mère. De quel enfer viens-tu? Chérie, peux-tu m'expliquer l'idiotie que je viens d'entendre? Chérie, pardon, dépêche-toi et donne-nous de l'argent. Tu sais que c'est pour la santé de notre bébé. C'est pour notre bébé, hein? Oui. Depuis que tu es née, as-tu déjà vu une femme qui force un homme à l'épouser? Hein? Vas-y, dis-moi. Je le savais. Je le savais. Je sais que tu es l'auteur compositeur de tout ce problème. Mais laisse-moi te dire, tu ne vas pas t'en sortir. Pas aussi longtemps que ma fille porte son bébé. Emeka,
Emeka, je ne vais pas me répéter pour une deuxième fois. C'est qui ces gens? Quelle explication veux-tu? Le plus tôt tu nous laisseras tranquille, le mieux ce sera. Ah ah, s'il te plaît, laisse-nous tranquille pour une fois, toi, espèce de sorcier. Oui. Toi, c'est vous les sorcières. Toi et tous les membres de ta famille sont une bande de fous. Hein? Je te conseillerais de repartir à l'école et de commencer à partir de la cible. Et quand tu y seras, apprends à mieux parler français. C'est vrai. Ça m'étonne. Non, mais tu as entendu ça. Paul, ton frère là? Si ta stupidité a atteint le niveau de l'impolitesse, je te conseille de monter au deuxième étage, au lieu de faire de cet endroit un lieu de boxe. Pardon, Paul. Oya, réponds-moi. Tu veux me taper? Alors fais-le. Vas-y, fais-le. Pour enlever ta main sur moi avant que je te donne les chiffres. J'ai dit, enlève ta main sur moi. Paul, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Quand je suis arrivée, il a demandé où tu te trouvais là, comment ça m'a chifflé? Menteuse! Si tu chiffres pour encore parler avec cette bouche, Paul! C'est déjà comme ça? Même dans ma propre maison? Je suis pas surpris que tu prennes ça de cette manière. Mais la vérité reste que j'ai reçu assez de coups de cette fille. Et elle a donné une histoire fabriquée! Et tu crois en elle sans même réfléchir? C'est vraiment très enfant! Ferme ça! J'arrive pas à croire que tu viens de me gifler. Je t'ai giflé. Et que peux-tu faire? Chérie, ça va. Pardonne-lui. Il ne le fera plus jamais. Lâche-moi. Paul, je t'ai giflé. Et qu'adviendra-t-il? Mes félicitations de l'avoir fait. Merci d'avoir porté ma sienne innocent. Dégage! Pars d'ici! Maintenant même! Imbécile! Oui? Oui? Qui cherchez-vous? Je suis la maman d'Emeka. Et elle, c'est sa femme. Qui es-tu? Je suis la femme d'Emeka. Où êtes-vous en train de parler d'un autre Emeka? Hey. J'espère que cette maison n'est pas devenue un refuge pour les fous. Hein? Kamuga. Oh, maman. Ah? Comment vas-tu? Ta façon d'arriver à 7h de la nuit, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Tu es stupide. Emeka, tu es stupide. Un homme sage ne peut pas poser à sa mère ce genre de questions. Sachant qu'elle a parcouru un long chemin. En fait, tu dois nous demander comment vont les gens du village. Et non, y a-t-il un problème? Et c'est qui celle-là? Et mais quand j'allais te poser cette question, qui est cette Apago, Apagani, Ekega. Qui est là? Oh. Ma fiancée, maman. Quoi? Toi, je suis ma fiancée. Quoi? Emeka. Oh, Emeka. Hey! C'est pourquoi elle nous a insultés? Adido. Hein? Mamouzo. Tochi. C'est vrai ça? Bien sûr, je ne la connais pas. Et elle est accompagnée de cette jeune fille. Je voulais juste qu'elle se présente. Maman, tu es ici. Maman, tu es la bienvenue. Comment va tout le monde au village? Ils vont bien. Super.
Ils vont bien. Tout le monde va bien. Non. Tu n'as pas mauvaise mine. Oh. Je vois que tout va bien ici. Ah. Gidawane. Regarde tes joues. Ah, maman. Non. C'est bon de te revoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ça se voit. Maman, laisse-moi apporter tes bagages. Ngwa. Oh. Voilà. J'arrive. Ngwa. Abonne-moi. Ngwa, mon amour. Inugoya. Emeka. C'est ce que j'espérais que tu fasses. Ton petit frère, Nuetorato. Hein? Donne le respect à sa mère. Hein? Nebukayane. Maman, écoute. Sincèrement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'étais juste. Excusez-moi. Je suis désolé. Emeka. Maman. Comme je l'ai dit, cette fille s'appelle Chidema. Maman, tu as déjà dit ça. Tu l'as déjà dit. C'est une bonne fille. Oh, pour mettre à la maison. Maman. Oublie toute cette fille qui t'embrouille dans cette ville. Hein? Je ne comprends pas. Aimé, ne prétends pas que tu ne l'aimes pas. Chiede. Maman. Va saluer ton mari. Viens saluer ton mari, oh. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Viens t'asseoir. Merci, monsieur. C'est bien. Aimé, qu'en penses-tu? Je ne l'épouserai pas. Quand j'ai déjà payé sa dot. Pour qui? Pour moi? Né, ma, va à l'intérieur. Merci, ma. Ok. Regarde. Dans les habits, comment ça bouge? Je pense qu'avec ce genre de corps, elle pourra te donner une douzaine d'enfants. D'ici 10 ans, je suis sûre. Écoute, maman, écoute, toutes ces histoires. En fait, moi, je sais pourquoi jusqu'à cet âge, je ne suis pas encore mariée. J'y prends mon temps. Que personne ne me presse. Personne ne te presse, Ne me pressez pas, alors. Laissez-moi tranquille. Écoute, laisse-moi te dire. Le plus tôt tu prendras les dispositions, le plus tôt sera le mieux pour toi. Ne permets pas que ma mère te supprime. Pour aucune raison, je ne permettrai pas que Emeka épouse une autre femme dans cette maison. Alors le mieux pour toi serait de partir. N'importe quoi. Emeka. Maman. Va démarrer ta voiture. Je vais partir. Mais ne part-elle pas avec toi? Ah. Ne peut-elle pas partir après? Toi là, tu ferais mieux d'aller porter ton sac pour que je vous dépose à l'agence. Chidema, maman, c'est ta maison. Reste ici, c'est la maison de ton mari. Ne pas nulle part. Tu m'as entendu? Maman. Mabigouena, quelqu'un part avec toi. Paul, laisse-la tranquille. Ah, grand frère, je ne la retiens pas. Mais tu es en train de l'arrêter. Maman, je t'en prie, attends, je vais moi-même t'accompagner. Paul, ne t'inquiète pas. Oh, Inogo, il y a plein de voitures là-dehors. Je vais prendre une. Prends bien soin de Chidema. Et rassure-toi que cette petite fille Tochi ne la mette pas mal à l'aise. Parce que si elle ose, je lui enverrai un message chaud du village. Maman, bon. Allez, ça va, t'inquiète, ça va aller. Paul. Ah, oui. Écoute-moi attentivement, je l'ai déjà dit et je le réitère. Puisque tu as accepté de prendre le risque de t'occuper de Chidema, tu ferais mieux de rester avec elle dans ta chambre. Écoute-moi bien, seulement dans ta chambre. Encore mieux,
trouve un appartement ailleurs. Mais grand frère. Grand frère, il faut que tu comprennes la situation de cette petite fille. Quelle situation? Sa dot a déjà été payée. Pour qui? Pour moi? Ne leur ai-je pas dit de ne plus prendre une femme pour quelqu'un dans cette famille? Prends donc son étudiant. Parce que tu as accepté cette responsabilité. Hey, c'est bon, arrête, allez. Qu'est-ce qui te fait croire que personne ne veut de toi dans cette maison? L'homme que j'appelle mon mari ne me regarde même pas deux fois le matin. Et la dernière qui prétend être sa femme me regarde comme une escroquée. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Ok. Qu'en est-il de moi? De moi qu'on appelle Paul. Qu'en est-il de moi? Allez, dis-moi, qu'en est-il de moi? Paul, désolé, je ne voulais pas déranger, désolé. C'est bon, y a pas de problème. Jenema, elle c'est Okona. Okona, salut Jenema. Bonsoir ma. Bonsoir. Celle que ta mère ramenait du village pour épouser Emeka. Et voilà comment j'ai su que, en dehors de Tucci et moi, il y avait une autre femme dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi pleure-t-elle? Demande-lui. Maman, demande-lui. Elle a ruiné ma vie. Elle nous a menti durant toutes ces années. Attends, que veux-tu dire pas? Elle a ruiné ta vie. Son bébé n'est pas le mien. Son bébé n'est pas le mien. Tu vois, lorsqu'elle a été mise dehors de chez la sœur Berry, elle allait se jeter dans une autre merde. Mon Dieu, quelle personne, de quoi tu es en train de parler? Elle est ici, demande-lui. Demande-lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Jeune fille, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Emeka, nous sommes assises ici depuis où? Asseyez-vous, non? Mon problème, c'est quoi? Asseyez-vous. Qu'on s'asseye? Oui. Ok. Emeka, ceci est la liste de toutes les choses. Demandez pour la grossesse, inclut la nourriture. S'il te plaît.
entendu. Donc, c'est j'avouerai que tu t'occupes de cette grossesse. Il n'y a aucun problème. Écoute-moi. Elles viendront étant unies, mais avant ça, elles seront séparées. Je ne me dérange pas. Ok. Maman, c'est fini entre Neka et moi. S'il te plaît, ne pars plus là-bas pour te battre avec lui. Ça va, il a gagné. C'est fini. Ogona, non. Non. Nous irons jusqu'au bout. Et nous n'arrêterons pas tant que nous n'en finissons pas avec lui. Maman, plus tu vas continuer à te battre dans cette histoire, plus tu vas l'éloigner de moi. Oui. J'ai vu des mères célibataires survivre. Mon cas ne sera pas différent. Je vais m'en sortir. Et toutes les insultes. Maman, je suis désolée. Je sais que tu as été insultée à cause de moi. S'il te plaît, je suis désolée. Non, non. Je ne vais pas diriger ma colère vers toi. Maman, j'assume toutes les responsabilités et tous les blâmes. J'assume, je suis désolée. Après tout, ce n'était pas malin de ma part de tomber enceinte de cette façon. Hein? J'accepte les blâmes, je suis désolée. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est vivant. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Attendez une seconde. Bonjour, madame. Oui, salut. C'est bien vous, madame Ogonna. Oui, vous avez raison. Oui, c'est moi. Ça, c'est très bien. S'il vous plaît, il y a un problème. En quoi puis-je vous aider? Ouais. On a un message très important pour toi. Oui. Ah! Allez, vas-y. Tu vas faire ça plus fort. Allez, connais ta place. Vas-y, plus fort. Voilà. Nous avons transmis le message pour toi. Allez, viens, on bouge. Elle a eu son compte. Allez, viens. Amène ton nez, hein. Hey, Ogona. Je suis rentrée. Et s'il te plaît, viens m'aider avec ces choses dans la voiture. Emeka. Ogona. 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 Allez! Que quelqu'un m'aide! Ogona, que t'es-tu arrivé? Ogona, s'il te plaît. Ogona, que quelqu'un m'aide! Docteur, dites-moi s'il vous plaît que le bébé et la maman vont bien. Pourquoi voulez-vous que je vous dise une telle chose? La grossesse était seulement 7 mois. Et alors? Félicitations. Les deux, la mère et l'enfant, vont bien. Quoi? Rendez grâce à Dieu. Car elle a donné naissance à un prématuré. Elle a accouché d'un garçon. Présentement, le bébé se trouve dans la couveuse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te remercie. Oh Dieu! Et docteur, et ma fille? Elle a survécu, malgré l'écho qu'elle a reçu lors de l'agression. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Docteur, pourrais-je aller la voir? Bien sûr, mais rassurez-vous de ne pas faire de bruit là-bas. Allez. Que fais-tu ici? Peux-tu ressortir? S'il te plaît, je suis venue t'informer que tu as reçu ton message. Quel message? Celui que tu as passé la dernière fois. Et pour ton information, ma fille n'est pas morte. Et celui qui n'avait que 7 mois de gestation a été sauvé. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Oh, arrête de parler! Tu as envoyé un groupe de criminels de venir la tuer. Et arrête de gronder chez moi. Emeka, s'il te plaît, ce serait mieux pour toi de m'écouter. Tu as envoyé un groupe de criminels pour l'achever. Mais Dieu est grand. Malgré toutes ces attaques, elle a survécu. Et a mis au monde un bébé garçon. Écoute-moi très attentivement. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un battre sur ta fille. Et arrête d'inventer les histoires. Parce que je n'ai pas le temps de céder à tes petites grimaces là. Emeka, tu peux le nier de toutes les manières. Mais tu sais quoi? Tout moment à partir de maintenant, tu seras visité par le commissariat et ça doit être questionné. Et là, tu sauras la vérité. Veux-tu sortir maintenant? Emeka, je pars. Sors! Emeka, je pars, mais sors! Tu vas venir. Je m'en vais maintenant.
imbécile. Je mangerai après, plus tard. Ne me dis pas que tu es dans cet état à cause d'une femme qui a été battue par les étranges personnes. C'est aussi simple que ça, non? Prends ton sac, va juste rencontrer deux officiers avec l'argent en main et l'affaire est close. Bien. Plus facile de dire que de faire. Ah ah, ce n'est pas une histoire de policiers. Écoute, ce n'est pas tous les policiers qui sont corrompus. Nous avons encore beaucoup de policiers honnêtes dans cette société. En tout cas, mais on ne perd rien en essayant, n'est-ce pas? Et ceux qui m'ont convoqué ne sont pas corrompus. Mais attends, oh. Qui a pu penser ôter la vie d'une femme enceinte? Ce n'est pas bien, oh. Pourquoi me regardez-vous de cette façon? Vous voulez le reste de votre argent quand vous êtes incapable de faire un bon boulot? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu avais vu la manière qu'on a tabassé cette femme, le genre que son pépé là, certes. Alors dis-moi qui croira à ce que tu viens de dire là. Dis-moi qui. Elle n'est plus dans le coma. Hein? Madame, c'est pas de notre faute, non? Tout le monde ne met pas comme un poussin, non? C'est pas parce que on n'a pas utilisé d'armes. Tu vois pourquoi j'adore les flingues? Avec une seule balle, la personne repose en paix. Bah. Simple. Bah. Je n'ai pas voulu que vous utilisiez les armes parce que les bruits des armes attirent l'attention. Maintenant, écoutez. Vous devez vous dire à l'hôpital et me faire un bon boulot. Hein? Écoutez, cette fois-ci, pas d'erreur, pas de regrets. Hein? Madame, tu vas dire que... Je vais vous payer le double de ce que je vous ai d'abord donné. Madame, tu veux qu'on aille dans ce grand hôpital? Tu connais les conséquences? Tu connais les conséquences? Même si c'est plus grand que ce pays, je m'en fous. Attendez, vous pensez que c'est facile d'avoir l'argent que je vous donne? Hein? C'est ce que tu gagnes de ta méchanceté. Garde. Oui, on se casse. Allons. Jésus, oh mon Dieu. Ogona. Où étais-tu? Je t'ai cherché, toi et le bébé. Vas-y, je peux entrer. Ogona, tu es déjà à l'intérieur. D'où sors-tu? Hein? Sais-tu que tu as semé trop de confusion? Quand tout le monde a commencé à te chercher, j'ai même pensé que tu es rentré au village. Tanti, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, mais il fallait que je m'enfuie avec mon bébé quand les problèmes ont commencé. J'avais peur qu'on m'attrape. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Papa Dieu, merci. Hein? Je te remercie. Si. Donne-moi le bébé. C'est bon. Là, tu nourris. Ça va. S'il te plaît, entre. Il va te rafraîchir, hein? D'accord, Tanti. Oh mon Dieu. Allons à l'intérieur. Ogona, viens. Grand frère, je veux que tu réfléchisses sur ce que tu feras. Je veux dire, permets à ta conscience de prendre le dessus. Que penses-tu que je devrais faire? Pour moi, je voudrais que tu fasses... cherche comment faire pour te réconcilier avec la famille de Gona. Grand frère, même si c'est pour rien, mais pour rendre tout au clair. Je veux dire, prouver à sa famille que tes mains sont propres. Paul. Mais comment vais-je commencer? Parlons, mais ça a l'air difficile. Mais, grand frère, tu peux commencer par quelque chose. Tu sais, tu peux...
Fais le premier pas. Tu sais, étape par étape. Je veux dire, une étape après l'autre. Une étape après l'autre. Mmh. Ok. Je vais essayer. Oh, de rien. Passe-moi un coup de fil dès que tu arrives là-bas. Oh, bien sûr, je le ferai. Mmh? Sois sage. D'accord. Attention à toi. En plus. Mmh. Mmh. Qui est là? Entrez, entrez. Bon après-midi. Qui a amené l'odyssée dans ma maison? Ogona, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi, tu vois. Tochi. Qui est celui-ci? Maman. Qui es-tu qui a invité un homme masqué à l'église? Maman, bon après-midi. Ogona, qui a invité cet homme ici? Maman, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Gentleman, qui es-tu? Parce que je ne me rappelle pas déjà avoir vu une fois ton visage de singe. Maman, s'il vous plaît, vous devez essayer de me pardonner. J'ai réalisé mes erreurs. Hein? Pardonnez-moi. Vous voyez, Tochi, c'est Tochi qui était derrière tout ce qui s'est passé. Qui est ta maman? Je te l'ai demandé. Qui est ta maman? Qui est ta maman? Qui est ta maman? Qui est ta maman? Je voudrais que tu disparaisses ici avant que mes yeux ne se ferment et ne s'ouvrent. Maman, c'est Tochi qui était derrière tout ça. Je suis désolé. Tu es encore là. Attends-moi là. Tu vas voir ce que tu es venu chercher. Attends-moi. Encore? Tout simplement, va-t'en. Ne m'appelle même pas. Va-t'en, va-t'en. Quitte cette maison. Tu aimes trop l'argent. Tout le temps, tu vas te rendre ridicule. Alors que je t'ai donné... Bon après-midi. Qui est celui-ci? Qui êtes-vous? Madame, je suis désolé, navré. Désolé de quoi? Hein? Qui es-tu? Oh, tu es venu au marché pour exposer ta stupidité. Hein? Es-tu normal dans ta tête? Madame, s'il te plaît, oublions ce qui s'est passé dans le passé. Je suis prêt à... Excuse-moi. Qui va parler comme les hommes avec toi? Je te demande, qui va parler comme les hommes avec toi? Hein? Écoute, laisse-moi t'avertir. Nous sommes au marché. Ne fais pas que je t'insulte. Ne me fais pas t'insulter. Madame, s'il te plaît, tu es en train de crier. Nous sommes au marché. Alors la maison est causant. Quelle maison? Quelle maison? Écoute, tu ferais mieux d'aller en brousse et cacher ton laid visage. Ogona, je n'arrive pas à croire que tu parles ainsi après tout ce qu'il t'a fait. Hein? Hein? Il s'agit ici de la santé mentale de mon fils. Il va grandir, il va commencer à demander son père. Ogona, s'il se pose des questions, tu lui répondras. Tu le feras, oui. Maman, tu ne comprends pas. Ogona, que y a-t-il à comprendre? Les mécas que j'avais connus n'auraient pas fait toutes ces choses. Je sais qu'il va revenir. Oui, oui, je sais. Je sais qu'il va revenir. À cause de son fils et à cause de la mort de cette méchante fille. Ne m'abandonne pas en ce moment, père. Je remets tout entre tes mains. Restaure tout ce qui a été perdu. Père, je te le demande. Je suis ton fils et je te demande de me pardonner, père. Rétablis, Seigneur. J'ai péché, père, et je veux que tu me restaures. Père, j'ai péché. Père, tout ce que je veux, c'est qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne, Seigneur. Père, rétablis tout. Ogona. Ne te lamente plus. Dieu a répondu à tes prières. Je suis venue ici pour prier. Je ne savais pas que j'allais te rencontrer ici. Je crois que c'était le désir de Dieu que nous nous rencontrions. Me pardonnes-tu?
De tout mon cœur, oui. Qu'ai-je fait pour mériter ton pardon? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je te pardonne. Oh oui. Si Dieu qui est immortel peut pardonner nos péchés, qui sommes-nous mortels pour ne pas nous pardonner les uns les autres? Encore. Ce pasteur que tu vois m'a prêché et m'a donné de l'espoir. Tu vois, notre Dieu pardonne nos péchés, simplement. Et il nous a purifiés comme si jamais nous n'étions salis. Mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, venez, parlons. Puis parlons. Venez, prenez place. Ogona, qui est tenu à côté de toi? Maman, s'il te plaît, pardonne-lui pour moi, pardonne-lui. Ogona, c'est à cause de cette paix que je voudrais que cet homme dégage de cet endroit. Je suis allée à l'église aujourd'hui pour prier. Je l'ai rencontré à l'église en train de prier aussi. Je savais pourquoi il priait. Et je savais quoi faire exactement pour que ses prières soient exaucées. Maman, s'il te plaît, je lui ai pardonné. J'aimerais que tu fasses également de même. Regarde-le. Il n'est plus que l'ombre de lui. Il n'attend plus que ton pardon pour revivre à nouveau. S'il te plaît, maman, laisse tout derrière toi. Maman, devine quoi? Devine qui était le pasteur qui a prié dans l'église où nous étions. C'est le même pasteur chez qui je vivais. Pasteur Gossin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis navré. J'étais manipulé. Pardonne-moi. Voilà ton bébé. Celui que tu as rejeté depuis le ventre. Je suis désolé. Je t'ai pas rejeté. Je suis désolé. C'est bon, je t'ai pardonné. Pour commencer, je ne manquerai pas de remercier Ogazia et Bucci qui, pour rien, ont mis leur vie en jeu pour amener notre fille. Et aussi les membres de mon cabinet pour leur soutien. Ogona, notre fille. Oui, mon roi. Je sais que quel que soit le lieu où se trouvent tes parents, ils célèbrent avec nous. Par conséquent, mon beau Igwe, je ne peux pas manquer de te remercier pour ce voyage. Tu peux venir dans cette communauté à chaque fois que tu en as envie. Merci Igwe, parce que tu es des nôtres. Cha 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 umuna kwenu. Yeah. Cha 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 ndogo kwenu. Yeah. Cha 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 Nigeria kwenu. Yeah. Igwe. Oburu nke gi iga nagide.
chi ya na fu mboge biliniwe iga kudokwa eyinewe yodo chi ya na churu ijiji kwadokwa nya maka mboge su Oburu nke gi